Good morning. Allez, il est juste aujourd'hui les Louis Nishmat, François Fagy Ben Chana, Janine Ruth Bat Vavir Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishaya Ben Ninda et Eliaou Vanish, Simcha Batsara. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Michel, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Brachot, Père Gimel, Mishna Aleph. Mishemeto Mutal Lefanav, Patour, Mikriat Shema, Uminat Fila, Uminat Filin. Nose Amita, Vechilufehen, Vechilufehen. Et chez l'ifne amita, ve et chez l'achar amita, et chez l'amita tzorech ba'en pturim, ve et chez l'amita tzorech ba'en chayavin. Elu va elu pturim minat fila. On a dans les deux prochaines Mishnayot un sujet de celui qui est en train d'enterrer un mort. Tous les gens qui sont venus pour enterrer le mort, il y a plusieurs actions à réaliser. Selon le cas, on va dispenser des gens, soit de Kriyat Shema, ou soit même de la Tfila, selon un principe très simple. C'est en rapport d'ailleurs avec la Mishnah qu'on a prise dans le Perek précédent, sur le Khatan, le sort de son mariage, il est Tarud Ba Mitzvah, il est préoccupé par une Mitzvah, selon la règle, Aosek Ba Mitzvah, Patur Mina Mitzvah. Celui qui est occupé en train de faire une mitzvah, il est dispensé de faire une autre mitzvah. Il y a plusieurs règles, attention, on n'appliquez pas cette règle n'importe comment, parce qu'il y a plusieurs nuances. Mais le principe général, en tout cas, pour le moment, ta mitzvah à toi, c'est de te marier. Donc, ta tête, elle est, tes méninges, elles sont plongées en ce moment, comment réaliser ta mitzvah. Du coup, tu n'as pas besoin de te prendre la tête qui plutôt, de te déraciner, de sortir de ce qui te préoccupe, pour aller accomplir la mitzvah de Kriyat Shema. C'est le principe de Oseg Ba Mitzvah, pas tourner la mitzvah, comme ce qu'on avait expliqué amplement. Maintenant, on a en rapport avec maintenant le mort, cette fois-ci, c'est pas un problème qu'il est préoccupé avec sa tête, mais c'est que tout simplement, il a le devoir de l'enterrer, c'est lui qui doit la réaliser. Alors on va faire un petit peu de. On va un petit peu faire un petit peu d'ordre avant de commencer la Mishnah. Il y a, lorsqu'on enterre le mort, il y a bien évidemment les onénim, les gens les plus proches, les proches parents qui sont obligés ensuite de prendre le deuil. Sur eux, incombe la mitzvah d'enterrer le mort. C'est pour ça d'ailleurs que vous connaissez selon la règle, qu'un onen, il est dispensé de toutes les mitzvot. Enfin, même l'ont dispensé de toutes les mitzvot, même pas de faire une bracha lorsqu'il mange quelque chose. Il n'y a pas de Kriyat Shema, rien du tout. Ce qui le préoccupe, lui, c'est de s'occuper le plus vite possible d'enterrer le mort. Si tu vas commencer à lui dire, fais une bracha, fais Birkat Amazon, fais ta tfila, il va commencer à négliger aussi son devoir d'enterrer le mort le plus vite possible. Alors dis-lui que tu fais rien du tout, qu'il fait rien du tout jusqu'à qu'il n'a pas pensé à enterrer son mort. Comme ça, il va prendre ça très au sérieux, il va faire le plus vite possible. Chaque heure supplémentaire, ça va être une souffrance, une difficulté. Comme ça, il va bien réaliser qu'il faut se dépêcher aussi pour enterrer le mort, que chaque heure est aussi une souffrance, une difficulté pour le mort lui-même. D'accord? Donc on reprend maintenant. On a les gens qui sont imposés d'enterrer le mort. Et il y a tous les gens qui viennent enterrer le mort. Eux aussi sont Asukim ba mitzvah, Pturin ba mitzvah. Donner du kavod à un mort pour assister à sa levaya, c'est aussi une mitzvah. Maintenant, c'est une mitzvah qui incombe moins violemment. Donc, dès qu'on a la possibilité de dire le Kriyat Shema, on pourra le dire. On devra le dire. Mais si on n'a pas la possibilité de le dire maintenant, concrètement, c'est à moi que ça incombe, je suis là et je participe à la Levaya, je fais tout ce qu'il faut, et tant pis pour la mitzvah de Kriyat Shema, parce que je suis en ce moment à Sout Ba Mitzvah, pas tourner la mitzvah. Autre précision, une fois qu'on a fini d'enterrer le mort, alors on a l'usage maintenant de se réunir, de sortir du cimetière, et on s'aligne tous dehors, et le mort, et les endeuillés vont passer devant nous et on va leur présenter les tanchumin. On est en train de faire des shurot, ça s'appelle, c'est ce qu'on va dans la Mishnah, les shurot. Alors on verra selon le cas, selon la position là où on se trouve dans la shura, on lira ou non le Kriyat Shema selon le même principe. Si moi ma place c'est d'être en ce moment devant l'endeuillé qui passe devant moi, je ne vais pas commencer à lui lire le Shema devant la tête, il passe, je lui présente et je lui parle. Pour le consoler. C'est ma mitzvah en ce moment. C'est ma mitzvah, je suis dispensé du Kriyat Shema de nouveau. Si je suis à une rangée plus éloignée de l'endeuillé, donc j'ai la possibilité de lire le schéma en cachette, je devrais le lire. C'est le principe qu'on va voir dans toute la Mishnah, et on commence avec la première partie. Mishemeto mutal lefanav, patur mikriyat shema, uminat fila, uminat tefilin.
Mishemeto Mutal Lefanam, celui qui a un mort, qui est présenté, littéralement, suspendu, ouais, l'a-t-il accroché à quelque chose, qui est suspendu dans lui, c'est-à-dire, il a, c'est lui qui doit s'en préoccuper. Donc, les Onenim, comme nous dit le Bartanura, et Chadmina Korovim Shechayav Leitabel Alem, un des proches parents, qu'il a le devoir de prendre le deuil sur lui. Vous savez que par exemple, ils ont même imposé aussi de ne pas faire la Havdalah, pour vous donner une idée. C'est très fréquent ça dans les enterrements, quelqu'un qui décède le Shabbat. Bon, c'est Shabbat, il ne peut pas faire la Havdalah. Si jamais il enterre tout de suite, tant mieux. Sinon, s'il fait le dimanche, il devra faire la Havdalah après l'enterrement. Si ça traîne jusqu'au lundi et même jusqu'au mardi, il devra faire la Havdalah le mardi, même s'il faut. Parce que pour le moment, il ne pouvait pas faire la Mitzvah. Shelon et David Sarot, l'Olam, bien sûr. Donc, je reprends. Mishemetu Mutal Lefanav. Celui qui a un mort. Qu'il doit enterrer. Pas tour, mais qu'il a le schéma, il est dispensé de lire le schéma, ou minat fila, ou même aussi de faire cette fila, de prier, ou minat filin, ou même de mettre les filines. D'accord? À titre d'exemple, donc on a pris des mitzvot importantes, comme ensuite on aura besoin de les préciser plus tard, donc on les a pris les trois en même temps. Pour le moment, dans Brachot, on s'intéresse sur le schéma et la fila, donc on dit schéma de fila, et même la tfila, les filines aussi. Concrètement, ça implique aussi toutes les mitzvot. Deuxième partie. Nosé Amita Vechilufen, Vechilufen al Chilufen. Ceux qui portent le mort et ceux qui sont prévus à les remplacer, Vechilufen, Chilufen, et ceux qui sont prévus pour remplacer ceux qui les remplaceront. Soit, il y a donc, dans une idée là, il y a chaque personne qui est là, elle est venue donner honneur aux morts, on occupe en ce moment en train d'enterrer le mort, ça fait partie de la mitzvah. Une fois qu'on va ensuite quitter le bête à l'évayot, pour ensuite partir enterrer le mort, alors on a l'usage que chacun, il va lui-même porter, on va se remplacer pour porter chacun le mort, participer à la mitzvah d'enterrer le mort. Maintenant, il y a des pièces, comme il y a des personnes qui sont beaucoup plus essentielles pour le mort que d'autres. Il y en a qui savent exactement comment faire pour le diriger, comment le porter. Il y a des gens qui vont se mettre à, qui vont attraper le corps et le brancard, ils vont l'attraper du début jusqu'à la fin, parce qu'ils sont là pour le diriger, ils savent comment ce qu'il faut faire. Et il y a d'autres personnes qui vont juste venir porter quelques mètres et se retirer pour donner un petit peu, laisser la possibilité aux autres de participer à l'enterrement. Que chacun, il va prendre le mort, il va partir jusqu'à qu'on arrive ensuite là-bas, chacun va participer aussi pour lui-même mettre un petit peu de terre dans la tombe, pour pouvoir participer. De nouveau accomplir soi-même la mitzvah d'enterrer le mort. Donc on a plusieurs, donc faites attention, on a deux types de personnes. On a des personnes qui sont inévitables, on a besoin d'eux pour accomplir la mitzvah, et on a d'autres personnes qui sont là juste pour l'honneur. Participer à la mitzvah, porter, enterrer, mais ils ne sont pas indispensables. Donc, on a ceux qui portent le mort, et ceux qui sont prévus pour les remplacer, ceux qui sont prévus pour remplacer les remplaçants. D'accord? Il y a plusieurs niveaux, ça peut être trois étapes, soit parce qu'ils partent tous ensemble, soit parce qu'il y a des gens qui commencent ici, mais ça continue là-bas, et là-bas il y aura d'autres personnes, il y a plusieurs situations possibles. Donc on a, parmi toutes ces personnes, on a « et shelifne amita » et « et sheleachar amita ». Il y a des personnes qui sont prévues, qui n'ont pas encore porté le mort, et il y a des personnes qui ont déjà porté le mort. Alors la Mishnah me dit, c'est simple, la même règle pour tout le monde. Et chez la mita tzorech ba'en pturim, ceux dont le mort, le défunt, donc qu'on enterre, le cercueil, ont besoin de lui, ils sont pturim, ils sont dispensés. Et chez les acharamita, et chez la mita tzorech ba'en chayavim. Et ceux qui ne sont pas indispensables pour le cercueil, eh bien, ils sont imposables de mitzvah. Soit, imaginez une Evaya, Shaloneda, il y a, bien sûr, on a dit, les endeuillés, premièrement, eux, ils sont dispensés de la mitzvah, ils sont onénimes. Il n'y a pas ça, ceux qui vont participer, il y en a qui sont plus indispensables que d'autres, il y en a qui dirigent la situation. Alors, de nos jours, c'est la Chevra Kadisha en général, mais pas que. Il y a la Chevra Kadisha, il y a toujours aussi quelques proches parents qui sont beaucoup plus impliqués, qui ne sont pas eux-mêmes endeuillés, mais qui gèrent la situation, qui vérifient, qui... Donc eux, leur tête, leur souci, c'est quoi en ce moment? C'est enterrer ce mort-là. Enterrer ce mort-là, ils sont dispensés de la mitzvah.
ils vont porter le mort, ils sont là pour organiser que tout se passe bien, qu'on dirige par là, qu'on aille par ci, qu'on aille par là. Eux, ils sont impliqués, ils sont dispensés. Il y a par ça, donc, peu importe s'ils ont déjà porté le mort, si c'est eux qui vont porter le mort ensuite, eux, leur tête, en ce moment, elle est préoccupée. Imaginez qu'il y en a un qui est, c'est fréquent aussi, on quitte le bête à l'Evaya, et il y a déjà, ils sont en train déjà de creuser la tombe, et il y a des gens sur la route qui sont là en train de prévoir comment est-ce qu'ils vont passer, ils sont en train d'organiser, ils vont passer par là, tourner ici. Eux, ils sont préoccupés par l'enterrement, même s'ils ne sont pas en train de s'occuper du mort. Tous ces gens-là, ils sont tous dispensés du Kriyat Shema. Et ils sont même aussi dispensés de la Tfila, bien sûr, comme ce qu'on verra la dernière phrase, pour le moment, je le laisse de côté la Tfila. Donc, on a les personnes indispensables, et on a les personnes qui sont là juste donc pour honneur. Donc, et, ça, c'est ce que... Et la Mita Soherban, ceux dont le cercueil, on n'a pas besoin d'eux. Dans ce cas-là, ils sont Chayavim. Eux, ils seront... Ils ont le devoir de lire le schéma, parce que tu lui fais, il fait sa mitzvah de porter le mort un petit peu, mais il peut se retirer, il a assez de temps pour se mettre un petit peu de côté, lire le schéma, après courir les vaillats, tous les gens, et le rejoindre ensuite pour continuer sa mitzvah, d'accord? Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Elou Velou, Ptourim et Natfila, par contre, ils ont tous dispensé de la tfila. C'est-à-dire, on fait une différence entre le Kriyat Shema et la tfila. Kriyat Shema, c'est une mitzvah de la Torah, obligatoire de lire le jour et la nuit. Tfila, hein, faut comprendre, c'est un devoir assez particulier. C'est qu'on a Machloket, est-ce qu'on a le devoir de faire une tfila tous les jours, mais de prier à l'heure, à 7h-ci ou à 7h, le matin spécialement, l'après-midi, le soir, ça c'est sûr que c'est que Midera Banane. Maximum est une mitzvah de prier, en général, le jour, de prier chaque jour, mais les Zmané à Tfila, les temps de Tfila, c'est que Midera Banane. Donc Rachamim, ils ont dispensé que tous ceux qui sont venus à la Levaya, ils n'ont pas besoin de se soucier pour faire la Tfila. Imaginez que maintenant, c'est fréquent, Chas v'Shalom, qu'il y a de la famille qui vient de France avec un corps, qu'il faut maintenant aller les occuper, les accompagner, et les prendre pour ensuite les amener au cimetière, et après qu'on va commencer à prévoir l'enterrement du mort, il y a toujours des proches parents qui sont déjà, par exemple en Israël, ils sont eux-mêmes en train de gérer, ils sont partis chercher la famille, ils sont en train de maintenant les organiser pour aller, ainsi de suite. Alors, Kriyat Shema, il pourra trouver 5 minutes. Tfila, il n'a pas besoin de se soucier pour faire la Tfila. Il est préoccupé en ce moment avec ses parents, avec ses proches parents, pour les accompagner dans leur tristesse. Sa mitzvah, lui, c'est d'enterrer le mort, il est dispensé de la Tfila complètement. Il n'a pas besoin de se soucier, où c'est que je vais trouver pour faire Mincha, même pas en Yachid ni en Tzibur. Pourquoi? Parce que c'est que Midera Banan, Khamim m'ont dispensé de ça, puisqu'en ce moment, il est occupé. Une fois qu'ils ont enterré le mort, on verra, ça ce sera la prochaine Mishnah, Bezat Hashem. Pour le moment, Sheloneda Mitzahot, jamais que tout ce qu'on parle des morts et tout ça, que ça se limite juste à notre niveau d'étude, que ce soit qu'on n'a jamais besoin d'appliquer tout ça, Bezat Hashem. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.